À l'occasion de la nouvelle année, je vais vous demander de bien vouloir accueillir Madame Nathalie Onfort, première adjointe au maire, conseillère générale. Monsieur le député vert, monsieur le président du conseil général, madame la vice-présidente du conseil régional, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, généraux, présents, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les corps constitués, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers amis. À l'aube de cette nouvelle année, il y a beaucoup de choses que l'on devrait souhaiter au plus grand nombre, et quelques mots, je pense, ne suffiront pas. L'année 2013 vient de s'achever, et je sais qu'elle fut difficile pour bon nombre d'entre nous. Néanmoins, les occasions de sortir, de se retrouver, de se réjouir furent au rendez-vous. Une enthousiasmante année sportive et associative, une belle année, grâce à la volonté de tous de faire face avec sérénité aux fortes pressions et difficultés du moment. Le monde associatif, particulièrement représenté ici ce soir, a montré une fois encore que pour faire vivre une ville, il suffit d'un soupçon d'abnégation, de savoir être à l'écoute des autres, de faire fi des différences et surtout d'avoir l'esprit d'initiative en partageant une passion commune. Cette dynamique participe au développement de nos Vosges pour en faire une ville toujours plus accueillante. Cette année, riche en événements, a permis, et chacun en conviendra, de continuer à faire changer notre cité, la démarche collective n'ayant qu'un objectif, celui de la rendre plus agréable. Il existe à nos Vosges des talents et des énergies au service des autres. Être au service des autres, vous le savez mieux que quiconque, mesdames et messieurs ici présents, ce peut être aider son voisin, mais ce peut être aussi le soutien que l'on apporte à son commerce de proximité pour éviter de regretter la fermeture. C'est ainsi que tous vous participez, par votre action, au développement de la ville, et le dynamisme associatif, la création de nouvelles infrastructures, qu'elles soient de services économiques ou ludiques, qu'elle soit aussi une offre de logement adaptée, font une ville toujours plus ouverte et agréable à vivre, de même que la poursuite d'un développement équilibré permet d'accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités porteuses d'emploi. En s'appuyant sur les innovations et l'audace, il faut anticiper les effets de la mutation profonde de notre société afin d'en préserver les fondements et garantir une solidarité effective entre tous les citoyens. Mais aussi fortes que soient les volontés politiques, de tels résultats ne peuvent s'atteindre sans parvenir à créer et faire vivre l'esprit d'équipe et d'initiative qui prédomine au sein de nos administrations. Pour exemple, cette année encore, les 162 conseillers délégués des 12 quartiers vosgeois se sont maintes fois réunis pour animer des ateliers urbains, des commissions culture, des commissions voirie, diverses commissions thématiques qui ont fait émerger de très beaux projets. City stade, aménagement de places, fête du soleil, autant de belles réalisations engendrées par ces groupes de travail. C'est pourquoi je voudrais à cet instant saluer la réactivité des services municipaux, mais aussi de l'agglomération, qui mettent toute leur énergie à répondre au plus vite aux sollicitations de ces conseils de quartier. Il s'agit pour ces services déjà très sollicités, par le numéro vert par exemple, de résoudre les difficultés, mais aussi d'être force de proposition technique. Ils ont aussi souvent la lourde tâche d'expliquer qu'un projet n'est pas réalisable ou transposable en l'état, et ça n'est pas une tâche facile, croyez-moi. Faire en sorte d'améliorer le quotidien de nos concitoyens est une tâche certes agréable, mais bien difficile, et nous savons qu'autour de nous, les forces vives, par leur créativité, leur investissement, leur inventivité quelquefois, font en sorte que puissent se tenir les quelques 650 manifestations annuelles dans les quartiers, les salons, les moments festifs, sportifs et culturels, font en sorte également d'entretenir les 24 écoles, les bâtiments municipaux et s'emploient à rendre notre cadre de vie, notre première richesse, ce cadre de vie de nature et d'eau, avec ses espaces verts sans cesse renouvelés, particulièrement enviables. Il reste toujours, bien évidemment, beaucoup à faire et il est nécessaire d'anticiper l'avenir en agissant au présent. Effort et persévérance sont nécessaires. Permettez-moi d'ailleurs, en cette fin de propos, de citer Albert Camus. « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Mieux que des mots, nous aurons dans quelques instants les images de ce dynamisme que j'ai mis en exergue ce soir. Alors permettez-moi, mesdames et messieurs,
de vous souhaiter une belle année qui vous maintienne en bonne santé, qui vous assure l'accès à l'emploi et vous offre de nouveaux et bons moments de bonheur. Monsieur le député maire, mes collègues du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année dans la santé, la détermination qui vous caractérise et dans la réussite de tous vos projets. Bonne soirée à tous et merci.